séance est ouverte, veuillez vous asseoir. Le micro. C'est quand même. Ministère public contre monsieur Cécile Raphaël Abba. Monsieur Alpha Mode Oubaldé. Monsieur Marcel Guilavogui, Monsieur Claude Pivi, Monsieur Moussa Kegoro Kamara, Monsieur Ibrahim Kamara Di Kalonzo, Monsieur Aboubakar Gakite Di Toumba, Monsieur Blaise Goumou, Monsieur Moussa Dadis Kamara, Monsieur Mamadou Ali Oukeita, Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby, Monsieur Paul Mansa Guilavogui. Les partis civils sont Monsieur Ouri Bailoba et plusieurs autres. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. Monsieur Mouktar Ba. Vous avez le choix entre vous asseoir et parler en étant debout. Pour le moment, je vais m'arrêter. Vous souhaitez parler dans quelle langue? En français. Quel est votre nom? Mouktar Ba. Votre âge ou votre date de naissance? Je suis né le 26 décembre 1957, à Pita. Où? À Pita. Votre profession? Journalisme. Quel est votre domicile, s'il vous plaît? Comment? Votre domicile? Petit Simbaya, je m'appelle Bantung. Veuillez dire au tribunal ce qui vous est arrivé. Monsieur le Président, vous allez me permettre de commencer la narration des faits par notre voyage de l'abbé. Parce que le samedi 26 septembre, nous étions à l'abbé avec le capitaine Dadis. Nous sommes arrivés là-bas le vendredi soir. Samedi, il y a le meeting.
Au cours du meeting, j'étais avec un de mes confrères, Amadou Diallo, de la BBC. On avait nos micros RFI BBC quand le président Dadis parlait à la tribune de l'Abbé, au stade de l'Abbé. Quand il a vu nos micros, il a dit voilà, RFI est là, BBC est là, tout le monde saura ce qui s'est passé au Fouta théocratique. C'est comme ça qu'il a dit, tout le monde saura ce qui s'est passé au Fouta théocratique. Alors tout ce qui était autour de lui nous ont vu, civils et comme militaires. Nous sommes revenus à Conakry dimanche. Parce que samedi, nous avons travaillé à l'abbaye jusqu'au soir. Dans un cyber, c'était difficile de travailler là-bas parce que le cyber n'était vraiment pas bien, quoi. L'internet, c'était compliqué. Alors nous sommes venus passer la nuit, nous sommes venus à Pita, nous travaillons un peu, on a dormi à Pita. Le dimanche, nous sommes revenus à Conakry. Lundi matin, au stade. Moi, je suis allé au stade. Arrivé, j'étais devant la pharmacie Manizé. Le colonel Kekboro est arrivé. Il a été vu, il a été vraiment applaudi par les jeunes manifestants qui étaient là. Bon, à l'époque, en ce moment, il n'y avait pas de manifestation. Mais les gens, vraiment les jeunes, l'ont applaudi. Après, petite ambiance, bon enfant. Il y a eu une foule qui est arrivée du côté de Bellevue-Dixine. Une foule, si je vous dis une foule, c'était une foule. Il y avait une autre foule qui est venue de Madina, du côté de Farmaguinée. Il y a une jonction au stade. C'est comme si c'était donné rendez-vous là-bas, au même moment. Franchement, il y avait foule. Quand ils sont arrivés, le stade était fermé, il y avait les hommes des gendarmes et les hommes du gouverneur Diop qui étaient devant le grand portail du stade. Quand ils sont arrivés, et Kéboro et tous les gendarmes qui étaient là, policiers, tout le monde a fui. Ils sont allés vers l'université, Nasser. Après, c'est dans vraiment cette foule-là qui est venue. Je ne sais pas comment les portes ont été ouvertes du stade, parce que les gendarmes vraiment avaient quitté. S'ils ont laissé les portes ouvertes ou si c'est les manifestants qui ont ouvert les portes. En tout cas, ils sont rentrés. Après, les gendarmes reviennent, les policiers reviennent. Les policiers, c'était les policiers de la CMIS Cameroun. CMIS Cameroun. Quand ils sont arrivés, quand ils sont revenus, il y avait Bafoué et Kéboro qui étaient là. Il y a eu des discussions, des disputes. Le ton est monté pour ceux qui étaient encore dehors. Et ceux qui arrivaient, Kekboro a dit « chargé ». Quand j'ai entendu la semaine dernière quelqu'un dire ici, il a dit « saccagé », non. Il a dit « chargé ». Quand Kekboro a dit « chargé », le désordre a commencé. Matraque, lacrymogène, coup de pied. C'est vraiment dégénéré. C'est en ce moment, moi, on m'a arrêté. Les policiers de la CMIS qui m'ont arrêté par le dos. Ils ont arraché mes appareils, micro et du rôle comme ça, un de mes téléphones, parce que j'avais un téléphone dans mes chaussettes, mais j'avais un téléphone en main. Ils ont arraché tout ça, ils ont cassé sur le goudron. Ils m'ont embarqué dans un véhicule de la CMIS, pick-up, qui était stationné à côté de l'arrêt de bus. Sens Dixine, université, à droite. Ils m'ont embarqué là-bas. À un moment, Bafo est venu, en courant, quand il m'a vu dans le véhicule, il a crié sur les policiers. Qui l'a embarqué? Il les a insultés. Vraiment, il les a insultés. Descendez-le. Les tous des ignares. Il a des gros irritants. Il a vraiment insulté les policiers. Ils m'ont descendu. Quand je suis descendu, je venais vers le carrefour, j'ai entendu quelqu'un dire « il y a un mort ».
Et la première, c'était vraiment la première victime. Le corps était couché à l'abri de la police routière, là, au carrefour là-bas. Le corps était là-bas. Quand j'ai vu ça, je me suis retourné un peu dans le quartier là-bas. J'avais des amis là-bas dans une concession. J'ai envoyé les premiers éléments. Ça m'a pris un petit temps. Après, je suis revenu au stade. Je rentre à peine. Je mets mes pieds sur le gazon. Dans la cuvette, j'ai entendu le crépitement d'armes. J'ai vu un déménagement indescriptible. Une foule. Et je peux vous dire qu'au bas mot, il y avait au moins 50 000 mecs au stade. Je n'ai pas compté 1, 2, 3, 4, mais je me dis à peu près, il pouvait y avoir 50 000 personnes au stade. Mais quand les armes ont commencé à crépiter, je ne savais même pas d'où venaient ces tirs-là. J'étais sur la pelouse. Déménagement, désordre, c'était indescriptible. Après, chacun se cherchait. Je suis sorti vers la porte où rentrent les footballeurs, pour ceux qui connaissent le stade, où rentrent les footballeurs de l'autre côté. Parce que je suis rentré par le grand portail. Nous sommes sortis là-bas, derrière la tribune. Moi-même, d'abord, je voulais monter sur le mur pour aller vers les rails, mais je ne pouvais pas monter, grimper le mur. J'ai vu des enfants vraiment monter là-bas. Mais, après moi, je suis allé derrière la tribune, j'ai rencontré là-bas mon ami Amadou Diallo, BBC. Lui et moi, on a cherché un abri. Derrière la tribune, il y a au terrain de tennis et basket. Il y avait des bâtiments en chantier. Nous sommes rentrés là-bas, nous cachés là-bas. On est resté longtemps. On voyait les enfants, les jeunes, les manifestants escalader le mur de l'université. On entendait des tirs et on voyait les enfants retomber dans la cour du stade, derrière le stade annexe. On ne voyait pas les tireurs. Mais on entendait les crépitements des armes et on voyait les enfants tomber. Encore, qui voulaient escalader le mur pour aller vers l'université, mais ils sont retombés dans la cour du stade. Pendant un bon moment. Accalmis après, nous sommes sortis. Après, nous mettons encore nos pieds dehors de notre cachette là. C'est cinq caporaux, quand je dis caporaux, c'est des policiers, c'est des militaires verts et rouges qui nous ont arrêtés. Ils nous ont insultés. Ils nous ont dit, on va vous tuer. On va vous exécuter. Mettez-vous à genoux. Mon ami Amadou s'est mis à genoux. Moi, j'ai dit, je ne mets pas à genoux parce que je ne suis pas manifestant, je suis journaliste. Il y a un qui m'a cogné dans mon dos, je suis tombé dans la boue. Je me suis mis à genoux. Il a commencé à insulter. Il y a un qui sort son arme, il met dans ma poitrine. Moi, j'étais à genoux. Il me dit, on va te tuer, on va te flinguer. J'ai dit, dans un cri de désespoir, j'ai fait comme ça. Je dis, si ça peut sauver la Guinée, n'hésite pas. Hein. Trois fois. Si ça peut sauver la Guinée, il ne faut pas hésiter. N'hésite pas. Hein. C'est dans la discussion là que deux plus gradés sont arrivés en courant. Laissez-les, ne les tuez pas. Hein. C'est comme ça qu'il a dit. Ne les tuez pas, laissez-les. C'est des journalistes, je les connais, ils étaient avec nous à l'abbé. C'est pourquoi j'ai commencé ma narration par l'abbé. C'est parce que Dadis avait dit, RFI et la BBC là, que tous les officiers qui étaient avec lui nous ont vus. Donc ici, ils ont dit, laissez-les, c'est des journalistes, ils étaient avec nous à l'abbé. Levez-vous, levez-vous. Un des officiers appelle un policier de nous faire sortir. Alors, lui, il coupe une branche d'acacia. Il était devant nous. On était trois maintenant. Là. Il y avait un jeune handicapé de Liberté FM. Un jeune, je vais oublier son nom. Le policier avec une branche d'acacia. Journaliste, 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 journaliste. Il y avait des corps partout. Arrivé au niveau du palais des sports, il y a une dame qui est sortie de là-bas en vitesse. Monsieur Bas, sauvez-moi. Monsieur Bas, sauvez-moi. Ils sont en train de violer les femmes. Ils sont en train de violer les femmes. Sauvez-moi. Ça criait dans le palais des sports. Ça criait là-bas comme un match de basket à l'époque, quand j'étais gamin, scolaire. J'entendais des cris du palais des sports là-bas. La femme est sortie en vitesse. Monsieur Bas, sauvez-moi. Monsieur Bas, sauvez-moi.